écoutez-moi attentivement. S'il y a bien une chose que j'ai apprise à la chômeur, une chose que je dois garder à jamais gravée dans mon cœur et que je retiendrai pour le restant de ma vie, c'est qu'il ne faut jamais perdre ses valeurs, quelles qu'elles soient. Mahatma Gandhi a dit un jour, le bonheur, c'est quand vos actes sont en accord avec vos paroles. La solidarité est bien plus qu'un simple mot. Un proverbe africain l'a dit un jour, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Notre victoire empruntera le chemin de la solidarité. Ce chemin sera créé ensemble, oui ensemble. Parce que c'est quand on est unis qu'on réussit vraiment, qu'on progresse vraiment. Cette unité prime et restera à jamais dans nos veines. Et sans elle, aucun de nos objectifs ne pourra être accompli. N'oubliez jamais ça, et encore plus important, n'oubliez jamais d'où vous venez et où vous allez. Et même si un jour il vous arrive de vous perdre, il y aura toujours 300 chômeuriens pour vous épauler, quoi qu'il arrive. Voilà donc ce que représente réellement le mot solidarité. Mais si vous pensez que notre victoire ne passe que par la solidarité, vous vous trompez. Elle se construit bien avant, par la force de nos entraînements. Et c'est grâce à cette volonté qui nous pousse à agir, à se surpasser, à devenir un champion. Oui, un champion, car chacun d'entre vous a un talent. Ne laissez jamais personne vous dire ce que vous êtes. Car tu ne peux pas dire uniquement que tu le veux. Tu ne peux pas regarder la vidéo et te dire « Je veux gagner ce lac Baomer ». C'est bien d'y songer, mais il faut également passer à l'acte. Et quand le soleil se lève, tu as tout ce qu'il te faut pour réussir. Maintenant, il est l'heure de s'entraîner, de se surentraîner. S'entraîner est une belle chose, mais cela ne vaut rien sans la persévérance. La différence entre un champion et quelqu'un qui est oublié, c'est qu'un champion se relève après une défaite. C'est la seule chose qui compte, se relever, chaque jour s'améliorer. Car le succès ne connaît pas ces choses que sont le froid, la fatigue. Il s'agit si tu te relèves ou non. Et si la vie t'a mis à terre, relève-toi et prouve qu'ils ont tort. Raverim, croyez en vous, car si vous n'avez que l'objectif en tête, peut-être qu'il se réalisera. Mais si vous croyez en vous, en la chômeur, alors vos rêves se réaliseront sûrement. N'oubliez donc jamais ces quatre mots. Solidarité. Volonté. Entraînement. Et persévérance. Et nous pourrons en ajouter un cinquième. Victoire. Et même si nous avons regoûté à la victoire l'an passé, et qu'on a déjà gagné une multitude de fois dans l'histoire de la chômeur, nos plus grands accomplissements ne peuvent pas être derrière nous, car notre destin réside au-dessus de nous.